chanson. C'est sans l'essayer. Oboli na chamada mina te mole to mine matamboe. Oboli mwana ya kwasa ukomiko fina yeli soy. Soki ayo domi tamuti. Vous êtes très réactif. Je pensais vous faire une surprise et vous êtes au rendez-vous. Bonsoir à tout le monde, bienvenue. Alors j'ai beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Connectez-vous massivement. Comment allez-vous? Bonsoir à vous. Comment s'est passée votre journée? Un coucou à tous les Congolais. Bon, comme d'habitude, en charmante compagnie. Alors, bonsoir à vous, comment allez-vous? Comment s'est passée votre journée? Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Nikki, bonsoir Rosine, bonsoir Annie, tu es portée disparue. Alors, dites-moi, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? Mettez le drapeau en commentaire ou alors le nom de la ville d'où vous nous regardez. Moi, je vous regarde, je diffuse à partir de la ville de Berlin. Bonsoir Rose Ibinga. Taguez les copines, taguez les amis et connaissances. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ayode Ogum. Bonsoir, bonsoir Ayode. Alors, Ayode, comment est-ce qu'on dit bonsoir en béninois? Fatima Diallo, bonsoir. Comment est-ce qu'on dit bonsoir dans votre langue maternelle? Bon, à mon niveau, on peut dire bambangoré. On peut dire bambangoré. On peut dire... C'est la seule phrase que je connais. Dieu est ma force, bonsoir. Oui, Ayode nous regarde de Cotonou. Comment on dit bonsoir dans votre langue maternelle? Joline Charles, bonsoir. Colette Bequine de Londres, bonsoir. Annie Pokidouala Cameroun, Laetitia Paul Abidjan. Un coucou à tous les Ivoiriens parce qu'ils sont nombreux, ils sont scotchés sur la page. Bonsoir Liliane. Bonsoir Rosine. Oui, Lydie de la France. Louise de Londres. Barry de Togo. Bisous à vous, je suis heureuse de vous retrouver. Rose Binga du Gabon. Alors dites-moi, comment est-ce qu'on dit bonsoir dans votre langue maternelle? Parce que vous voyez, on est réunis ici dans le cadre de l'alimentation, plus spécifiquement l'alimentation tropicale, et je pense que c'est à dessein si nous devons mettre en valeur notre héritage africain, entre autres la langue maternelle. Bonsoir Laurence Virginie. Alors, je vous redis bonsoir à chacun et à tous de manière vraiment individuelle. Je suis heureuse de vous retrouver. En principe, c'est assez inhabituel que l'on se retrouve le mercredi, mais si je le fais, il y a une bonne raison à cela et j'espère bien en faire une habitude. Bonsoir Pascal, bonsoir Joline Charles. Voilà. Donc, je disais que je suis là déjà pour vous informer que nous avons un nouveau numéro de téléphone parce que comme vous le savez, vous avez sûrement essayé de nous joindre sur l'ancien numéro de téléphone qui a été arbitrairement bloqué et on n'a pas, en fait, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que c'est à cause du flux de communication qui a eu à ce numéro-là qu'il a été bloqué. Donc, on a pu avoir un nouveau numéro de téléphone. Donc, je préfère vous le donner là maintenant. Donc, voici notre nouveau numéro de téléphone à travers lequel vous allez poser toutes les questions concernant uniquement le kit détox. Donc, pour toutes les questions, toutes préoccupations, commandes, pour le kit détox, ce sera désormais à ce numéro dans le 49 15. Attendez. 49 15 21 85. Donc vous pouvez essayer là pendant que je dis 85 73 812. Donc voici le nouveau numéro à partir duquel vous allez pouvoir faire les différentes commandes concernant le kit détox.
Donc voilà, donc si vous avez essayé de nous, si vous nous avez écrit il y a une semaine sans réponse, voilà, ce n'est pas qu'on vous snob, ce n'est pas qu'on vous ignore, mais c'est juste que le numéro a été suspendu. Donc voilà le nouveau numéro de téléphone en commentaire. Alors aujourd'hui, je voulais surtout prendre le temps d'écouter vos questions, d'écouter vos préoccupations. Et si je peux y apporter une réponse concrète, ce sera avec beaucoup de plaisir. Mais aussi profiter de l'occasion pour recommuniquer au sujet du kit détox bio, comme vous le savez, est mon chouchou de tous les temps. D'accord? Donc le but ici est surtout de vous présenter ce qu'il a de vraiment particulier et pourquoi est-ce que à chaque fois, dans chacune des vidéos, il y a toujours cette exhortation-là à vous le procurer. Voilà. Et voilà, si vous arrivez sur la plateforme pour la première fois, il est important que je me présente. Je suis Josica, je suis chirurgienne en nutrition, ce qu'on pourrait comprendre comme étant coach en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Donc, si vous désirez en savoir plus sur l'alimentation africaine, quelle qu'elle soit, voilà, je suis la personne indiquée pour vous apporter les éclaircissements à propos. Et si vous désirez également en savoir plus sur les habitudes alimentaires en zone tropicale, en zone africaine ou alors des Africains en général, qu'ils soient en Europe ou en Afrique, je suis également la personne indiquée. Voilà, et puisque la question de mon parcours revient à chaque fois, je vais encore me réexprimer dessus. Donc, je suis titulaire d'une licence en biochimie option technologie alimentaire et nutrition humaine, donc obtenue à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Et par la suite, j'ai pris une formation en tant que Nutritional Health Coach, donc coach en nutrition et santé, voilà, à l'Integrative Institute of Nutrition qui est basé à New York. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, dans chacune de nos communications, il y a toujours ce lien que nous faisons très facilement avec le statut pondéral et la santé, ou alors avec les choix ou les non-choix alimentaires et l'état de santé de façon générale. Voilà, et donc nous prenons en charge toutes les personnes qui ont des problèmes de santé et d'alimentation liés au poids. Donc, juste que pour ce cas précis, si vous désirez avoir un accompagnement personnalisé, je vous invite à nous écrire par email nutritiontv1@yahoo.fr. Et là, voilà, vous nous donnez le maximum de détails possibles concernant votre état de santé de façon générale et puis maintenant votre objectif. On vous répondra et par la suite, éventuellement, on pourra décider de travailler ensemble. Donc, ceci étant dit, vous ne m'avez toujours pas dit comment est-ce qu'on dit bonsoir dans vos langues maternelles respectives. Je ne sais pas si c'est la timidité ou alors si c'est parce que vous ne connaissez pas, mais je suis à l'écoute. Comment est-ce qu'on dit bonsoir dans votre langue maternelle? Comment s'est passée votre journée? Ma journée a été très mouvementée parce que vous voyez, il y a le nouveau stock qui est arrivé, vous voyez? Donc, il a fallu réceptionner ça, classer, reclasser. Je vous avoue qu'il y a encore plein de cartons stockés ailleurs. Donc, c'était vraiment mouvementé et orienté essentiellement sur ce qui concerne le kit détox. Alors, qu'est-ce que c'est que le kit détox? Pourquoi est-ce que vous devez vous procurer activement du kit détox bio que nous proposons? Je voudrais pouvoir commencer à m'entretenir dessus en vous racontant une petite histoire. Et écoutez-moi attentivement. Alors, vous voyez, lorsque j'étais en classe de 3e, 4e, j'avais découvert le thé vraiment de façon hasardeuse et c'était vraiment de façon inopinée. Et à l'époque, c'était le thé Lipton, le sachet jaune. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis la première fois que j'ai commencé à prendre le thé Lipton, le sachet jaune, je ne me suis pas... C'est-à-dire que je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça crée une addiction, mais à chaque fois, voilà, j'achetais des paquets et des paquets et des paquets et des paquets. Et même à la maison, mes parents ne comprenaient pas pourquoi est-ce que j'étais autant attachée au thé. Surtout que dans leur imaginaire, ou alors eux, ils savaient que le thé déclenche l'anémie, donc ce n'était pas forcément avec beaucoup de joie qu'ils me regardaient consommer cela. À tel point que quelquefois, j'étais obligée de prendre le thé en question un peu en cachette. Donc, comme en classe de 3e, j'étais en 3e, je préparais le BEPC comme tout le monde. Donc, j'avais pris l'habitude de me réveiller le soir vers 1h, 2h du matin pour pouvoir travailler. Et je vous avoue qu'à l'époque, mes aliments de compagnie étaient le chocolat et le thé. Donc, à l'époque, il n'y avait pas assez de moyens. Donc, je faisais un ou deux sachets dans pratiquement 2 litres d'eau. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'utilisais beaucoup de sucre à l'intérieur et c'est comme ça que je travaillais toute la nuit en sirotant. Alors, par la suite, quand je suis arrivée à l'université, l'habitude, elle est restée. Mais sauf que durant mon cursus, j'ai découvert le thé vert et c'est comme ça que j'ai effectué la transition
avec le TVA. Et c'est également à la même époque que je vais me rendre plus régulièrement au supermarché Casino Score de l'époque. Et là, je me rends compte qu'ils ont une variété de thé incroyable. Et en fait, vous voyez, la difficulté qui se posait à l'époque, c'est que mon budget était vraiment limité. Mon budget était vraiment limité pour pouvoir m'acquérir les thés que moi, je trouvais vraiment haut de gamme à l'époque. Donc, ça fait que ce que je faisais, c'est que j'économisais quelquefois. J'économisais parce que le budget était limité. J'économisais et voilà. Et je rêvais du jour où j'allais aller à Casino avoir le choix du thé, le choix de ma prochaine boîte de thé. Et vraiment, c'était devenu comme une espèce de rituel. Et à chaque fois, je me réjouissais. Et à chaque fois, quand je me retrouvais devant le rayon de thé, je me demandais, ok, quel est celui que je vais choisir aujourd'hui? Et donc maintenant, j'allais regarder et l'emballage, j'allais les ingrédients, j'allais même quelquefois humer l'odeur. Bref, c'était un rituel incroyable et cela suffisait pour faire tout mon bonheur. Et j'avoue aussi que je faisais cela avec le rayon des biscuits, le rayon des chocolats, parce que j'aimais beaucoup les confiseries à l'époque. Donc ça fait que, voilà, j'avais pris l'habitude, dès que j'ai un peu d'argent, je vais aller à Casino. Pas pour aller regarder l'électroménager, non. J'avais mon rayon spécifique, le rayon des thés, le rayon des chocolats et le rayon des biscuits, parce qu'ils avaient vraiment une large variété qu'on ne pouvait pas trouver dans nos boutiques habituelles. Voilà, c'est devenu un rituel et le rituel s'est renforcé quand je suis devenue coach en nutrition, quand j'ai commencé à travailler de façon autonome, parce que je m'étais aussi rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui ne savaient pas très bien à quel produit se vouer. Et pour ceux qui sont venus au cabinet au Cameroun, si vous vous rappelez bien, dans mon bureau, il y avait la table sur laquelle je m'asseyais. Et à côté, il y avait tout un rayon où je mettais les boîtes vides des produits que je trouvais assez rares ou alors que je trouvais intéressants et qui me permettaient à chaque consultation d'expliquer aux patients qu'ok, tu vas prendre les barres céréales, voici à quoi les barres céréales, tu vas trouver ça à Casino, tu vas trouver ça à Maïma. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec une petite table comme celle-ci. Une boîte, deux boîtes, trois boîtes. Et après, c'était devenu toute une grande montagne, à tel point que, quelquefois, quand les patients arrivaient, ils me demandaient, Josie, ce sont les boîtes vides ou alors ce sont les boîtes pleines. Et je leur disais, ce sont les boîtes vides. Parce que tellement c'était bien arrangé, on avait l'impression que c'était une mini épicerie en plein bureau. Et ça fait qu'au fur et à mesure, je vous l'avoue, mon amour du thé s'est vraiment cristallisé. Et bizarrement, je ne vais rien vous cacher. Depuis que j'ai commencé à prendre le thé jusqu'à aujourd'hui, jamais je n'ai été diagnostiquée d'anémie. Jamais je n'ai eu un malaise parce que je prends le thé. Encore même qu'à l'époque, quand j'avais des problèmes de poids, je pouvais prendre 3, 4, voire 5 sachets de thé par jour. Vous voyez? Donc, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je commence à exercer, voilà, il y a toujours les patients qui demandent, Josie, tu penses qu'on peut prendre quel thé? Voilà, ce serait bien si tu avais une gamme de thé. Mais sauf qu'à l'époque, je n'avais pas la possibilité. Ou alors, j'avais essayé de collaborer avec Casino, mais ils étaient très, très renfermés. Donc, ce qui fait que, bon, j'ai laissé tomber. Après, il y a eu plusieurs gammes de thé locales que vous connaissez bien, qui étaient vraiment célèbres à l'époque, qui m'ont approché pour la collaboration. Mais comme je vous l'ai souvent expliqué, malheureusement, au niveau des produits qu'ils proposaient, on n'avait pas de traçabilité. Donc, vous imaginez, on vous propose des produits que vous allez prescrire aux personnes qui ont les problèmes de santé et de poids, mais sauf qu'on n'est pas en mesure de vous présenter une liste d'ingrédients concrète. Vous voyez, on n'est pas en mesure de vous donner la liste des contre-indications. On vous dit simplement, tu vas prescrire ci, tu vas prescrire ça, et puis c'est terminé. Et puisque ça ne rentre pas dans ma logique, et puisque j'aime toujours avoir la traçabilité dans chacune des choses que je fais, je n'ai pas accepté parce que je trouvais que c'était beaucoup trop risqué. Surtout qu'à l'époque, les patients que j'accompagnais étaient essentiellement des personnes matures. Donc des personnes qui avaient minimum 40 ans jusqu'à 65 ans. Vous voyez, c'est des personnes qui ont un certain niveau de culture. Donc comment est-ce que je vais dire à un papa comptable ou médecin que voilà, il faut prendre 6, ça va t'aider sans être en mesure de lui apporter le minimum de littérature à propos. Donc, ça fait que malgré moi, malgré le fait qu'il proposait un contrat, vraiment, j'ai préféré laisser tomber. Et c'est comme ça que, voilà, quelque part dans mon cœur, il y avait un gros pincement parce que de bout en bout, je trouvais que c'était tout à fait logique d'avoir une gamme de thé avec laquelle je peux travailler et que je peux proposer aux patients que j'accompagne qui sont toujours libres de choisir ou non. Voilà, et ça fait donc que
Une fois arrivée ici, voilà, je suis tombée sur la gamme de thé Alveus et je vous assure que cette gamme de thé correspond exactement à l'imaginaire que je m'étais, voilà, que j'avais nourri dans mon esprit. C'est-à-dire que chaque fois que je devais visualiser le thé idéal pour moi, voilà, je voyais toujours des produits bio, des produits qui contiennent le plus grand nombre de plantes possibles et surtout des plantes qui sont orientées dans l'amélioration du bien-être, dans la purification des émonctoires et également dans la perte de poids. Et ça fait que quand je suis tombée dessus, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont même d'abord accepter que je collabore avec eux? Donc, il y avait l'hésitation, il y avait. Bon, et puis, je me suis dit, OK, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Et c'est comme ça que, voilà, je leur ai fait un courrier. On a longuement échangé. Ils m'ont envoyé la documentation, ce qui n'avait pas été le cas avant au Cameroun. Et ils m'ont même envoyé des échantillons pour que je puisse avoir l'embarras du choix. Donc, ça fait que de bout en bout, j'étais servie en termes d'information, en termes de certification, puisque j'ai le certificat bio avec moi. Vraiment, j'étais servie de bout en bout. Et c'est pour ça que, voilà, au finish, j'ai été vraiment heureuse de pouvoir avoir cette gamme de produits que je peux vous proposer désormais. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, ça fait que il est difficile pour moi d'avoir quelque chose qui m'accompagne au quotidien et de ne pas en parler avec vous. Dans tous les cas, comme je le dis toujours, ce n'est pas obligatoire. Même chez les patients que j'accompagne, ce n'est pas obligatoire. J'en parle, je suggère, mais si vous ne voulez pas, je n'insiste pas, vous voyez, parce que de bout en bout, il faut toujours, je veux toujours que les choix que vous faites soient en étroite corrélation avec vos désirs véritables. Islande, le risque, j'aimerais acheter le T-Detox. Comment je peux faire cela? Il y a le numéro de téléphone qu'on a mis. Donc, vous cliquez sur le numéro de téléphone ou alors vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Vous passez votre commande maintenant. Et si vous commandez maintenant et que vous, voilà, et que vous effectuez également le paiement avant 18h, on pourra l'expédier aujourd'hui. On pourra l'expédier aujourd'hui. Donc, voilà vraiment ma modeste histoire avec le kit détox. Et je vous avoue que depuis que j'ai commencé à le prendre, voilà, je n'ai pas arrêté. Puisque de toutes les façons, je prends toujours le thé minimum 2 fois par jour. Donc, il y a celui du matin que j'ai pris et celui-ci. Et peut-être avant de me coucher, je vais prendre encore le dernier. Donc, c'est pour ça que je voudrais vous donner la possibilité là maintenant de poser vos différentes questions sur le kit détox. Parce que très souvent, beaucoup, voilà, une des questions qui revient, c'est Josie, est-ce que ça envoie aux toilettes? Non. Le kit détox n'est pas un thé laxatif. D'accord, les amis? Le kit détox n'est pas un thé laxatif. Le kit détox est un produit qui va vous aider à purifier les émonctoires, à savoir le foie, les reins, le cœur, et maintenant filtrer le sang de façon générale dans le strict respect de votre physiologie générale. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que s'il s'agit des thés laxatifs, j'en ai suffisamment bu quand j'étais plus jeune et je vous assure que l'expérience, elle n'est pas la bonne. Et n'étant pas prête à renouveler l'expérience, jamais je ne proposerai des produits qui vont envoyer aux toilettes au risque de perturber votre rythme quotidien. Donc le kit détox que vous avez en face de vous n'est pas un thé laxatif, pas du tout. Dans tous les cas, ceux qui l'ont pris peuvent vous le témoigner. Ça aide à améliorer la qualité de la digestion. Ça aide également à soulager des gaz intestinaux, gargouillement, vraiment tout ce qui est malaise qui a trait au tractus gastro-intestinal. Mais jamais vous n'allez avoir une diarrhée. En tout cas, aussi longtemps que vous ne faites pas une réaction allergique particulière, le kit détox n'envoie pas aux toilettes au même titre que les thés laxatifs. Donc, purification, détox dans le strict respect de votre physiologie générale. Et alors, pourquoi est-ce que ici on a 3 thés différents? On a 3 thés différents parce que chaque thé a une composition vraiment complètement différente. Je prends un exemple simple. Bon, celui que moi je prends là maintenant, celui que je prends, c'est le zombie miracle. C'est ça qui est ici. C'est pour ça que la couleur est dense. Donc le zombie miracle a une coloration très dense. Le Women's Power aussi. Mais par contre, le mélo mandarine est celui qui est très clair lorsque vous laissez infuser. Donc, alors je prends celui-ci, Zombie Miracle. Ici, vous avez par exemple à l'intérieur le rooibos naturel qui est le thé rouge. Donc, si vous n'avez jamais dégusté le thé rouge, voici l'occasion de le déguster ou alors de le goûter à travers le Zombie Miracle que voici. Donc, il contient le thé rouge, il contient la verveine qui est une plante apaisante, il contient la menthe. Il contient la menthe. Si vous avez suivi la vidéo sur les plantes qui cassent le ventre, sur les plantes qui aident à retrouver le ventre plat, la menthe était au rendez-vous. Et vous avez la menthe ici. Voilà. Vous avez également le fenouil. Le fenouil également fait partie des plantes qui aident à retrouver le ventre plat. Donc, il est également présent dans le Zomer Miracle. Donc, vous avez aussi ici l'hibiscus. Voilà ce qu'on va appeler le bissap.
Voilà, et vous le savez, le bissap est une plante qui aide aussi à retrouver le ventre plat. On a développé cela dans la vidéo. Vous avez également l'anis, vous avez le gingembre, vous avez les fleurs de souci. Alors, les fleurs de souci ont ceci de particulier qu'elles vont aider les femmes qui ont les difficultés avec le cycle menstruel de pouvoir débloquer. C'est-à-dire que si vous êtes resté longtemps sans avoir vos règles, les fleurs de souci sont là pour dilater les vaisseaux, pour dilater les vaisseaux sanguins au niveau de l'utérus, de manière à ce que vous puissiez recommencer à avoir vos règles normalement. Mais je ne peux pas vous garantir l'effet systématiquement ou alors vraiment de façon certaine à travers la consommation du kit. Mais dans les retours qu'on a eus, il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas eu leurs règles pendant longtemps, qui en prenant le kit détox ont recommencé à avoir leurs règles. Donc ça, c'est le rôle particulier que va jouer les fleurs de souci. Et on va aussi avoir à l'intérieur la racine de réglisse. On va voir à l'intérieur le curcuma. Le fameux curcuma que vous utilisez pour faire les smoothies, il est présent dans le kit détox bio certifié. Donc, si vous détestez vous salir les mains, si vous détestez vous salir les ustensiles de cuisine avec le curcuma lorsque vous voulez faire les smoothies, vous pouvez utiliser simplement le Zomé Miracle ou alors le kit détox pour pouvoir tirer pleinement profit des plantes que j'ai énoncées jusqu'ici. Donc, il va aussi contenir la fraise, les fleurs de bleuet et la cardamone moulue qui est aussi l'équivalent de l'anis étoilé qui aide aussi à retrouver le ventre plat. Donc, vous voyez, voilà les ingrédients listés pour un seul thé qui va jusqu'à 13 ingrédients par là, pratiquement 13 ingrédients uniquement pour le Zomé Miracle. Donc, du coup, quand je vous dis que le kit détox est la combinaison de 30 plantes biocertifiées. Il n'y a aucune exagération à ce niveau. Alors, essayez un peu de vous imaginer. Si 3 ou 4 plantes sont en mesure de vous apporter un meilleur confort intestinal ou alors un mieux-être. Alors, imaginez un peu si on doit vous apporter 30 plantes. Imaginez un peu si on doit vous apporter 30 plantes. Isabelle Frère, le fenouil a des vertus laxatives. Pas laxatives. Le fenouil aide à libérer des gaz intestinaux et à fluidifier la digestion. Si le fenouil te conduit au petit coin de façon un peu comme si c'était la diarrhée, peut-être que tu es très sensible. Peut-être que tu as des intestins trop sensibles. Voilà. Et donc maintenant, là, voilà, le prix. Alors, les 3 thés différents coûtent 35 euros. Les 3 thés différents coûtent 35 euros pour une cure de 2 semaines. Voilà, mais comme je vous le dis toujours, le meilleur moyen pour avoir des résultats avec le kit détox, c'est de prendre au moins 2 kits. D'accord? Il faut prendre au moins 2 kits parce que 2 kits va vous aider pour une cure entière d'un mois. Et pourquoi un mois? Pourquoi le timing d'un mois? Ce n'est pas parce que je veux que vous me fassiez le chiffre d'affaires, même si je me réjouirais. Mais en fait, c'est que... Un mois est le temps minimum pour que la majeure partie des cellules du corps puisse se renouveler. D'accord? Donc, si vous commencez le kit détox, en 2 semaines, vous avez un début de résultat. Mais il faut minimum un mois pour pouvoir vraiment établir une différence entre avant et après. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Donc, il faut pouvoir faire la cure pendant au moins un mois. Temps minimum pour le renouvellement général des cellules du corps. Et comment est-ce qu'on prend cela? On les prend tous en lait ni sucre rajouté. Donc, pendant la première semaine, voilà, le matin, vous prenez un sachet ici que vous laissez infuser dans de l'eau chaude. Donc, en général, je vous recommande de mettre un sachet dans 350 ml d'eau chaude, mais s'il vous plaît, à la température indiquée au verso du paquet, d'accord? Parce que particulièrement pour le cas du mélo mandarine, il faut que l'eau soit à 75-80 degrés, donc l'eau ne doit pas bouillir lorsqu'il s'agit du thé mélo mandarine. D'accord? L'eau doit être frémissante mais pas bouillante parce que si vous utilisez l'eau bouillante pour le mélo mandarine, le goût, cela va détruire une partie du principe actif du thé en question. D'accord? Parce que le thé, les ingrédients ici contiennent un volume assez conséquent de vitamines. Donc, il faut utiliser l'eau frémissante et vous laissez infuser ici 2 à 3 minutes seulement pour le cas du mélo mandarine. 2 à 3 minutes d'infusion et c'est OK. Je sais que nous avons la culture de laisser infuser le thé longtemps parce qu'on aime bien quand la coloration est sombre, mais ce n'est pas nécessaire dans le cas du mélo mandarine. Donc, vous laissez infuser 2 à 3 minutes, vous retirez et puis vous buvez votre thé. Et parce que si vous laissez infuser le mélo mandarine plus longtemps,
il va avoir le goût des remèdes du village. Il va avoir le goût pareil que celui de l'écorce du manguier qu'on a fait bouillir. Et ce n'est pas très intéressant si vous n'êtes pas habitué à prendre le thé. Donc, c'est pour ça que lui, on le laisse infuser 2 à 3 minutes. Et détail d'importance, le kit d'or se prend 30 minutes en dehors des repas. Donc, le mélo mandarine 30 minutes avant le petit déjeuner. Maintenant, à midi, vous prenez le Zomé Miracle 30 minutes avant. Donc, 30 minutes avant le repas de midi. Et le Women's Power, vous le prenez le soir 30 minutes après le repas du soir. Parce que c'est un thé qui aide beaucoup à l'endormissement. Ceux qui ont des problèmes de sommeil, ceux qui n'arrivent pas à dormir profondément. La plupart des personnes qui prennent le Women's Power me rapportent toujours qu'ils dorment profondément et ils dorment plus longuement. Donc, les vertus sont définitivement relaxantes. D'accord? Donc, je récapitule. 30 minutes avant le petit déjeuner, un sachet dans 350 ml d'eau. 30 minutes avant le repas de midi et 30 minutes après le repas du soir. De préférence, sans lait ni sucre rajouté. Sans lait ni sucre rajouté. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc, comme je vous l'ai dit, il faut pouvoir faire une cure entière d'un mois au moins. Ça, c'est le conseil que moi, je vous donne. Personnellement, depuis le mois de septembre, novembre que j'ai découvert l'été, je les prends tous les jours sans interruption. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je sais que pour beaucoup parmi vous, prendre le kit détox tout le temps peut être très élevé par rapport à votre budget. Mais je pars du principe selon lequel tous les jours nous sommes exposés à la pollution. Tous les jours nous mangeons, vrai ou faux? Que ce soit les aliments en conserve, que ce soit les aliments transformés, que ce soit les aliments non bio, nous mangeons tous les jours, d'accord? Tous les jours, nous sommes exposés à la pollution à travers l'air que nous respirons, la pollution à travers les rayons solaires, particulièrement en cette période d'été, pour ceux qui sont en Europe. Dans les rayons ultraviolets, lorsqu'on va accumuler une grande quantité, on va commencer à développer le cancer parce qu'on va accumuler beaucoup de radicaux libres qui vont finir par générer le cancer. Tous les jours, on est exposé à la pollution. Tous les jours, on mange les aliments transformés. Tous les jours, on utilise la cosmétique. Voilà. Donc, quand vous utilisez une crème du visage, dites-vous bien qu'à un moment donné, ça finit par rentrer dans la circulation sanguine. Et si les produits cosmétiques que vous utilisez contiennent des substances nocives, elles vont s'accumuler dans votre corps. Tous les jours, on utilise les parfums, on utilise même le savon que l'on utilise pour se laver. Si vous ne faites pas attention, si vous utilisez du gel de douche à base de laurette sulfate, vous savez que c'est une substance nocive, n'est-ce pas? Donc, tous les jours, on est exposé à l'intoxication. C'est pour ça que pour ma part, je pars du principe selon lequel, de la même manière que je suis exposé à la pollution, il est aussi important que dans ma routine quotidienne, que je puisse avoir des éléments ou des facteurs qui vont m'aider à me débarrasser de la pollution en question. Est-ce que vous comprenez, les amis? Voilà le principe fondamental qui fait que moi, je continue de prendre le kit détox, même si je n'ai plus d'objectif en termes de perte de poids en réalité. Et c'est pour ça que si vous le pouvez, n'hésitez pas une seule seconde. Parce que je le dis toujours, c'est plus facile de prévenir quand on n'a pas encore des pathologies installées que de se retrouver dans une posture où on doit soigner et qu'on n'a pas la garantie de la guérison. Est-ce que vous comprenez? Essayez un peu d'imaginer qu'on vous diagnostique un cancer du foie. Voilà. Quelles sont vos chances de sortie vivante de cette opération chirurgicale concernant votre foie? Quel est le pronostic vital possible? Voilà. Maintenant, si on se met dans l'autre posture, ok, je suis en bonne santé, on ne m'a rien diagnostiqué. Est-ce que, voilà, ça me coûte quoi de... Qu'est-ce que cela me coûte de prendre un ou deux sachets de thé tous les jours? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que, voilà, je continue de prendre le kit détox et j'encourage les personnes qui ont vraiment la préoccupation de rester en bonne santé. J'encourage toutes les personnes qui ont compris que la santé n'a pas de prix à vraiment développer une routine qui intègre autant que possible le kit détox. Et surtout, un des éléments qui me rend encore vraiment heureux, c'est parce que le kit détox, il est bio-certifié. Donc, bio-certifié, cela veut dire qu'il n'a pas été cultivé avec les engrais. Il ne contient pas de pesticides. Il ne contient pas de substances chimiques. Dans tous les cas, tout est mentionné au niveau de la liste des ingrédients. Donc, ceux qui ont consommé le kit peuvent témoigner. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Tous bio-certifiés. Voilà. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle je dis toujours, c'est bien, par exemple, de commencer à prendre soin de sa santé en prenant les jus de fruits, les jus de légumes. Mais je dis toujours que si vous n'êtes pas en mesure
de prendre les jus de légumes avec les légumes bio, il vaut mieux s'abstenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous n'êtes pas en mesure de faire les smoothies de légumes, smoothies de fruits à partir des fruits bio, moi je vous recommande de ne pas le faire trop régulièrement. Parce que lorsque vous utilisez les fruits et légumes qui ne sont pas bio pour pouvoir faire les smoothies, en fait vous accumulez beaucoup de pesticides à l'intérieur. D'accord? C'est vrai que vous allez ingérer plein de vitamines, plein de sels minéraux, voilà, et que les plantes en principe ont ce rôle détox, mais en fait vous allez effectuer la détox en accumulant dans votre corps les pesticides et les engrais qui ont été utilisés pour la culture de ces fruits et légumes-là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça que si vous voulez faire la cure ou alors faire la détox avec les fruits et légumes, c'est très bien, je vous encourage, mais privilégiez les fruits et légumes bio. Ou au pire des cas, privilégiez les jus à base de légumes qui demandent au moins qu'on enlève l'enveloppe. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, privilégiez les smoothies à base d'ananas d'orange parce que au moins, même si l'ananas a été cultivé avec les pesticides, le fait d'enlever la peau avant de consommer fait en sorte qu'une bonne partie des pesticides reste bloquée à l'extérieur. Mais quand par exemple vous allez faire un smoothie à base de pommes, à base de pommes cerises, vous voyez que ce sont des fruits qui reçoivent directement les pesticides et les engrais et donc ça fait que la charge est trop lourde pour votre organisme au finish. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est aussi la raison pour laquelle même si vous faites déjà des programmes ou alors même si vous prenez déjà des jus de fruits et de légumes, le kill détox va maintenant venir poncer votre corps comme on dit souvent, venir poncer parce qu'il va enlever tous les débris de pesticides et d'engrais accumulés à travers les aliments que vous consommez, à travers les produits manufacturés que vous consommez qui ont plein de conservateurs. Et c'est pour ça qu'au finish, voilà, c'est la crème des crèmes. Donc, pourquoi devez-vous consommer le kit détox? Parce que d'abord, c'est le kit de Josie et que je pense que vous m'aimez bien. Ça, c'est d'abord la première raison. Donc, vous devez acheter le kit détox parce que vous m'aimez bien. Voilà. Et je le ressens à chacune de nos interactions individuelles. Oui, je sais que vous m'aimez bien et je m'estime heureuse et je vous rends également en retour tout l'amour et la considération que vous me portez. Donc vous devez prendre le kit d'or d'abord parce que c'est le kit de Josie, mais également parce que Josie propose la qualité. Voilà, la qualité en tout ce qu'elle fait, la qualité sur les contenus audiovisuels, mais également la qualité au niveau du kit détox. Voilà. Et puis maintenant, si vous avez eu une mauvaise expérience d'été proposée par nos sœurs africaines, voilà, ne me collez pas l'étiquette. Prenez sur vous de tester avant de donner une conclusion définitive. Mon kit est définitivement différent. Donc, ils ne sont pas laxatifs. Voilà, je trouve que le goût est agréable. Si vous respectez le temps d'infusion, le goût est vraiment agréable. Et comme je le dis toujours, au bout d'un mois, vous allez percevoir la différence. Beaucoup de retours sur les personnes extrêmement constipées. Beaucoup de retours sur les personnes ballonnées. Sur les personnes qui avaient l'impression qu'elles ont des graisses dures. Voilà. Et c'est pour ça que je vous encourage grandement à commander votre kit détox. Donc, il y a le numéro de téléphone pour les commandes en commentaire. Donc, vous écrivez via WhatsApp. Donc, voilà, pour que l'on puisse vous répondre rapidement, vous écrivez le nombre de kits que vous désirez, l'adresse de livraison, parce que c'est ça qui nous permet de définir les frais d'envoi. Donc, le nombre de kits que vous désirez, l'adresse de livraison, et puis voilà. On vous envoie simplement la facturation et puis vous allez effectuer le virement bancaire. Donc, voici le numéro de téléphone auquel vous allez écrire via WhatsApp pour commander. Donc, plus 49 15, attendez, 15 21, donc 49 15 21 85 73 73 73 73 73 72. Donc voilà le nouveau numéro de téléphone pour les commandes du kit détox. Et comme je l'ai dit, si vous désirez un accompagnement, vous nous écrivez plutôt par email nutritiontv1@yahoo.fr. Voilà, donc comme je le redis encore, les trois des différents coûtent 35 euros. Donc ce n'est pas un kit qui est 35 parce qu'on ne vend pas les thés séparés. Les trois vont ensemble parce que chaque thé a une composition différente et c'est la combinaison des trois. C'est la combinaison des trois qui va nous aider à avoir du résultat définitivement. Donc ce sont les trois thés qui coûtent 35 euros pour une cure de 2 semaines. Voilà, et pour la cure d'un mois, cela va donc faire 70 euros. Si vous êtes en France, en Italie, en Belgique, les frais d'envoi DHL avec tracking number, c'est 18 euros. Donc, vous pouvez faire directement votre virement de 88 euros. Si vous êtes en France, Belgique, Italie, Irlande, en tout cas, tous les pays de l'Union européenne, sauf la Suisse, où les frais sont différents.
D'accord, les amis. Voilà, donc n'hésitez pas de poser vos différentes questions. Voilà, et comme je vous l'ai dit, la composition, elle est vraiment grande. C'est-à-dire que voici le document qui résume la composition du kit détox. C'est-à-dire qu'on a détaillé ici T après T. Et comme je le dis toujours, c'est combien de pages c'est? Regardez. Donc, on a une page, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, on a sept pages qui vous résument en détail la composition du kit détox. Sept pages. Cette page où on vous décortique chacun des thés du kit détox en question. Si vous trouvez quelque part un thé qui n'envoie pas aux toilettes, qui contient 30 plantes et qui a les mêmes effets que le nôtre, faites-moi savoir. D'accord, les amis? Donc, vraiment, pour vous démontrer que le but ici, en ce qui nous concerne, ou alors en ce qui me concerne, ce n'est pas seulement vendre le thé pour le plaisir. C'est apporter un produit de qualité qui va vous aider à vous de purifier en profondeur sans mettre en danger votre santé. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, il y a les patients diabétiques, il y a les patients hypertendus qui prennent le kit détox, mais qui n'ont pas eu de retour négatif jusqu'ici. Est-ce que vous vous rendez compte? Même les femmes enceintes qui allaitent, sauf celles qui ont des grossesses à risque. C'est la seule catégorie qui ne prend pas le kit détox. Même les femmes enceintes prennent le kit détox et elles n'ont pas, enfin, je n'ai pas eu de retour négatif jusqu'ici. Depuis le mois de décembre que le kit est en circulation. Est-ce que vous rendez compte? Donc, pour vous faire comprendre que si une femme enceinte est en mesure de prendre le kit détox sans avoir des soucis, sans avoir des effets secondaires concernant sa grossesse ou sa santé, vous devez comprendre à quel point est-ce qu'on a mis le paquet au niveau de la qualité. D'accord, les amis? Donc, que vous soyez hypertendu, bon, sauf maintenant, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes hypertendu et que vous ne prenez plus de médicaments, je vous conseille le kit détox. Mais si vous prenez les médicaments pour éviter les interactions médicamenteuses, je vous conseille de finir d'abord avec les médicaments de l'hôpital avant de prendre le kit détox. Parce que quelquefois, si vous associez la prise des médicaments et la consommation du kit détox, on pourra avoir des effets secondaires qu'on ne pourra pas contrôler. Et pour éviter cela, je vous demande toujours de finir d'abord avec les médicaments de l'hôpital avant de commencer avec le kit détox. Et également, si vous avez autour de vous, ou alors si vous avez pris les médicaments pendant longtemps, peut-être que vous avez, pris la pilule pendant longtemps et vous avez décidé d'arrêter, ou alors vous avez eu une pathologie qui vous a obligé à prendre les médicaments pendant longtemps. Voilà, une fois que vous faites la rupture, je vous conseille de prendre le kit détox parce que le kit détox aide justement à débarrasser l'organisme des résidus de médicaments accumulés, puisque vous le savez. Un médicament égale quoi? Un médicament égale principe actif et maintenant les substances accompagnatrices, d'accord? Substances d'enrobage, s'il faut le dire ainsi. Et en général, quand vous prenez le médicament, le principe actif va soigner la pathologie, mais les substances d'enrobage vont rester accumulées, surtout rester accumulées au niveau du foie. Et donc, si vous prenez des médicaments pendant un mois, deux ans, trois ans ou alors six mois, voilà, essayez un peu d'imaginer la dose ou la charge. La dose ou la charge des substances d'accompagnement des médicaments que vous avez laissé accumuler dans votre corps. C'est pour ça que une fois que vous finissez avec les traitements de l'hôpital, il faut pouvoir effectuer une cure détox en profondeur. Et vous avez devant vous le kit détox par excellence qui va vous aider dans cette démarche-là. Voilà. Donc voilà globalement ce que je voulais vraiment apporter comme complément d'information. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. j'ai enlevé les talons, j'ai porté les sandales. Voilà. Maintenant aussi, qu'est-ce que je voulais rajouter? Voilà, et puis également, en ce qui concerne le kit détox, on vous remet toujours quelques règles alimentaires que vous devez respecter. Parce que dites-vous bien que je suis toujours honnête avec vous. Je ne vends pas un produit miracle, d'accord? C'est un produit qui est efficace parce que les ingrédients indiquent qu'ils peuvent aider à perdre du poids, ils peuvent aider à retrouver le ventre plat. Mais gardez bien à l'esprit que si pendant que vous prenez le kit détox, c'est également le moment où vous mangez tardivement, où vous mangez de grosses quantités, où vous mangez beaucoup plus gras qu'à l'accoutumée. Mais dites-vous bien que vous n'allez pas avoir du résultat, d'accord? Donc, ça dit que ne prenez pas le kit détox comme un produit magique. Ce n'est pas un produit magique. C'est un produit qui va avoir du résultat aussi longtemps que vous allez respecter les quelques règles alimentaires qui vous seront données au même moment que la posologie. Donc, c'est-à-dire que de la même manière que vous faites les soins, ça dit que quand par exemple vous voulez faire les soins du visage, qu'est-ce que vous faites?
Pour faire les zones du visage, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez d'abord par vous démaquiller, n'est-ce pas? Voilà, pourquoi vous démaquillez? Vous démaquillez pour enlever la poussière, la saleté avant d'appliquer ou le masque ou alors le gommage. C'est pareil. D'accord? C'est pareil. Vous ne pouvez pas être dans une logique où vous voulez perdre du poids ou retrouver le ventre plat et ne pas débarrasser un peu de votre alimentation les substances qui conduisent à la prise de poids. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Donc, c'est pour ça que même lorsque vous prenez le kit détox, il va falloir avoir un minimum de règles alimentaires à respecter. Ce n'est pas l'occasion pour rattraper les plats que vous préférez dans l'espoir que le kit détox va miraculeusement aspirer la graisse. Là, je vous dis non, vous n'aurez pas de résultat. Voilà. Maintenant, pour le cas précis du Cameroun, parce qu'on a plein de personnes qui nous écrivent, actuellement, on peut expédier le kit détox via DHL. Mais le problème, c'est que les frais d'envoi sont un peu élevés pour beaucoup parmi vous. Donc, quand on vous envoie la facturation, vous trouvez que c'est cher et je vous comprends. Donc, par contre, ce que je vais simplement vous dire, c'est que le kit détox sera disponible au Cameroun d'ici la fin du mois de juillet. Donc, la fin du mois de juillet, c'est dans un mois pratiquement. Vous pouvez choisir de faire preuve d'un peu de patience ou alors de décider de commander directement. Mais dites-vous bien que les frais d'envoi sont un peu élevés. D'accord? Et ça fait aussi que pour pouvoir maximiser les frais d'envoi, ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre au moins 3 à 4 kits. Parce que quand vous commandez par exemple 3, bon, il n'y a pas de carton vide. Voilà, quand vous commandez par exemple 3 ou 4 kits, on a un moyen de serrer ça dans le carton. Oui, puisqu'il faut pouvoir maximiser l'espace. Donc, on a un moyen d'emballer ça autrement et voilà, ça remplit bien le carton à tel point que on est en mesure d'envoyer 5 kits. Mais quand on envoie 5 kits, c'est sans l'emballage. Puisque en fait, voilà, quand vous commandez le kit détox, on vous l'emballe ici, d'accord? Donc, on vous l'emballe ici. Et voilà, si vous commandez pour le Cameroun, on va vous classer l'été tout seul dans le carton. Et maintenant, on va poser ça dessus. Parce que si on doit mettre l'été ici à l'intérieur, ça va prendre beaucoup d'espace. Ça va prendre beaucoup d'espace et ce ne sera pas à notre avantage. Donc, on vous classe l'été vraiment serré, comme on a l'habitude de le faire. Et maintenant, on vous pose l'emballage dessus. Donc, même si vous avez l'intention de revendre, vous allez pouvoir utiliser l'emballage et emballer vous-même étant une fois au Cameroun. Donc, on peut envoyer 5 kits avec les emballages sur un carton pour des frais de 25-30 euros par là. Dans tous les cas, le problème avec DHL, c'est que les frais d'envoi varient énormément. Donc, ce que nous faisons, c'est que quand vous payez, après que nous ayons fait l'expédition, on filme le reçu. On filme le reçu avec le numéro de suivi et avec le montant que nous avons dépensé. Donc, si vous nous avez envoyé plus d'argent, on vous renvoie la différence. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter à ce niveau-là. On essaye vraiment de travailler de la manière la plus transparente possible. D'accord, les amis? Dites-vous que vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. OK? Donc, nous sommes là pour apporter du service, pour apporter de la valeur à votre santé, pour apporter le service, pour apporter l'information de qualité, pour apporter également les produits de qualité avec le service qui va avec. Donc, ce n'est pas l'occasion pour nous de faire preuve de malhonnêteté. Non, nous ne sommes pas comme ça. En tout cas, le peu de personnes qui ont collaboré avec nous pourront le dire en commentaire. Il y a toujours la traçabilité de bout en bout. Donc, vous pouvez nous faire un peu confiance à ce niveau-là. Le but n'est pas de s'enrichir sur votre dos, non. Donc, si par exemple, on vous dit que la facturation en ligne, la simulation en ligne fait 40 euros, vous faites le paiement avec 40 euros, mais en fait, on ne saura exactement qu'une fois à la caisse parce que parfois, ils vont vous dire que le carton a telle dimension, c'est monté, c'est descendu, et puis ils font une facturation différente. Et maintenant, une fois qu'on a expédié, on filme le reçu, on vous l'envoie, et dans le reçu, vous allez avoir le numéro de suivi. Et le numéro de suivi, vous allez pouvoir contrôler à chaque fois la position de votre colis. D'accord? Donc, une fois que nous vous envoyons le numéro de suivi, allez-y sur le site internet dhl.de. Parce que si, par exemple, vous êtes en France et que vous tapez dhl.fr pour contrôler le colis, vous n'allez pas avoir d'informations puisque l'expédition a été faite à partir de l'Allemagne. Donc, quand vous voulez suivre votre colis, vous tapez dhl.de, donc dhl.deutschland. D'accord? Et là, maintenant, vous tapez le numéro de suivi. Vous allez voir exactement à quel niveau se trouve votre colis. Donc, c'est l'option qu'on a choisie parce que au début, on faisait les expéditions par la poste et on a perdu plein de colis, surtout avec la période du coronavirus. C'est pour ça qu'on a décidé de ne faire que les expéditions avec tracking number. Même si vous trouvez ça un peu cher, vraiment,
on n'a pas le choix. On préfère faire les expéditions de manière à ce que si ça fait une semaine, vous ne recevez pas le colis, en tapant le numéro de suivi, vous savez exactement où est-ce que cela se trouve. Et là, vous n'allez pas avoir l'inquiétude que, ah, peut-être qu'ils m'ont frappé. Parce que très souvent, c'est l'inquiétude qui revient. Et je vous comprends parce qu'il y a plein d'arnaqueurs sur la toile, mais ce n'est pas le cas en ce qui nous concerne. D'accord, les amis? Donc, vous allez taper DHL.de, vous allez avoir la position du colis à temps ponctuel. Et si les frais d'envoi ont coûté moins, on vous rembourse la différence. Ça, ne vous inquiétez même pas. Il y avait par exemple une cliente des États-Unis qui voulait Siki Detox. Et quand moi, je faisais la simulation des frais d'envoi en ligne, puisqu'elle était aux États-Unis, la simulation mentionnait que ça allait coûter 101 euros. Je le lui ai envoyé, elle m'a dit que je dis c'est très cher. Je dis que oui, c'est très cher, mais ne t'inquiète pas. Je préfère que tu envoies un montant élevé. On fait l'expédition. S'il y a différence, on va te rembourser. Et effectivement, elle avait raison. Donc, une fois qu'on est arrivé à DHL, donc apparemment, plus le colis est grand, c'est-à-dire qu'ils ont une façon de réduire les frais. Donc, pour finir, on a fait son expédition à 60 quelque chose d'euros. Donc, on lui a rendu les 40 euros le lendemain. D'accord, on a rendu la différence de 40 euros le lendemain. Donc, pour vous faire comprendre que vous ne devez pas avoir d'inquiétude à ce niveau-là. Ok, les amis, est-ce qu'il y a des questions? Quelle que soit la question, je suis prête. Question sur le ventre plat, question sur la perte de poids, question sur les ouvrages. Je suis à votre écoute maintenant. J'ai assez bavardé, je suis là pour vous écouter. Dites-moi tout. Liberté. Bon, voilà, et en passant, il ne nous restait que trois thermos. Donc voilà les trois thermos qui restent, il n'y en a plus assez. Donc il ne reste que trois thermos. Donc si vous avez l'intention de vous procurer le thermos, c'est maintenant. Trois thermos. Trois thermos seulement. Voilà, et comme je le dis, c'est le haut de gamme, regardez. J'aime beaucoup ce thermos, beaucoup. Voyez? Le haut de gamme. Voilà comment vous le recevez. Voyez? Donc voilà comment est-ce qu'il se présente. Appréciez la qualité, appréciez la beauté. Bon, je vais commencer à vendre comme ma chaîne Mokolo. 5 500. Qui parmi vous a directé au marché Mokolo? Qui parmi vous a directé au marché Mokolo? Déballe, emballe. Je déballe le super thermos. Voilà. Donc, voilà, regardez. Donc, c'est vraiment hermétique. Donc, même si ça dit qu'il y a. Il y a une courroie de sécurité à l'intérieur qui fait que quand vous fermez et que vous balancez dans le sac, ça ne se verse pas. J'ai expérimenté plusieurs reprises parce que je suis toujours pressée. Donc vous avez déjà le bouchon, regardez, en inox. Magnifiquement joli. Vous avez le premier filtre que voici. Donc c'est quoi le rôle? Si par exemple vous voulez laisser infuser les remèdes du village ou alors une plante particulière, donc vous retirez tout. Donc vous mettez la plante ou la feuille, vous mettez de l'eau et maintenant, vous laissez infuser. Ça peut même être du thé en poudre. Ça peut être du thé en poudre. Vous mettez là. Après, maintenant, vous bloquez comme ceci. D'accord? Vous bloquez comme... Attendez. Voilà, vous posez comme ceci. Et maintenant, vous pouvez boire sans recevoir les morceaux à la bouche. Donc, ça c'est le rôle du premier filtre. D'accord? Maintenant, le second filtre, si par exemple, vous avez du thé également en poudre ou alors vous voulez... Bon, comme c'est le cas pour moi, je prends beaucoup de thé en poudre. Regardez. Voilà, vous pouvez simplement mettre ici. Puis maintenant, vous plongez là, dans de l'eau chaude. Vous laissez infuser. Après, maintenant, vous retirez simplement et vous buvez sans recevoir les débris. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Double filtre intégré amovible. Et vous pouvez également utiliser uniquement pour les smoothies. Donc, vous retirez les deux filtres. Vous mettez votre jus. Vous mettez votre boisson, ce que vous voulez ici. Même votre bouillon, hein, vous mettez ça ici. Voilà, et puis vous laissez les thermos à l'écart. Donc lui, il coûte 30 euros et il reste juste 3 thermos. On avait 15 thermos, tout est parti en fumée, tout est parti. Donc voilà pour le thermos. Bon, alors, qui a commandé son kit détox qu'il n'a pas encore fait? C'est maintenant que ça se joue.
Qui a commandé son kit, il l'a pas encore fait. Qui a commandé son kit, il l'a pas encore fait. Bon. Voici le déballage du kit détox. Voici le kit qu'on a déballé. On va maintenant faire comme à Mokolo. Qui a déjà jeté au marché Mokolo? Ah oui, ok. Hermine Aurore Adeyou, oui, l'email marche. NutritionTV1@yahoo.com. Voilà notre adresse email. Françoise Doumbé, je suis une femme de 52 ans, je suis diabétique. Pensez-vous que oui, bien sûr que vous pouvez perdre du poids, bien sûr. Bien sûr, Madame Françoise Doumbé, étant au Cameroun, j'ai accompagné plusieurs patients qui étaient diabétiques, qui étaient hypertendus. Attendez. J'ai également accompagné, alors une fois j'ai eu un cas très complexe, il y avait une maman de 62 ans qui était venue en consultation, elle avait le diabète, hypertension et elle avait en plus l'arthrose. Vous voyez, et vous savez que l'arthrose elle est vraiment douloureuse et plus encore si vous avez des problèmes de surpoids. Donc on a été en mesure de l'accompagner à tel point que elle n'était plus obligée de prendre les médicaments de l'hôpital sous la conclusion de son propre médecin. Donc l'accompagnement avait pris environ 7 à 8 mois par là parce qu'elle avait pas mal de kilos à perdre. Mais je dis, vers la fin, je l'avais demandé de repartir voir son médecin pour un examen de routine. Et son médecin lui a dit qu'ok, étant donné le changement de ses paramètres parce qu'il y avait le niveau de cholestérol qui était aussi élevé, quand on a refait les examens, tout était correct. Son médecin lui a dit qu'elle n'a plus besoin de prendre les médicaments tous les jours. Donc, ça fait qu'elle prenait uniquement quand elle avait des crises. Donc, par conséquent, Madame Françoise Doumbé, même si vous êtes diabétique, nous prenons en considération le statut de chaque patient. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau du suivi, on procède en deux étapes. Donc, la première étape, c'est celle du bilan nutritionnel qu'on va avoir pendant au moins 45 minutes, 1h30. Donc, c'est l'étape durant laquelle on va rassembler toutes les informations concernant votre statut. D'accord? Et ça fait que, si vous êtes diabétique, on va vous accompagner en prenant en considération l'index glycémique des aliments. Donc vous ne risquez pas de vous retrouver en train de faire une hyperglycémie ou alors une hypoglycémie. Tout cela sera pris en considération. D'accord les amis? Donc quel que soit l'objectif que vous visez, nous procédons en deux étapes. Hermine, voilà, les thermos coûtent 30 euros, soit 20 000 francs CFA. 30 euros, 20 000 francs CFA. Voilà, Sandra Folie, comment faites-vous perdre 15 kilos? Écrivez-nous à l'adresse email nutritiontv1@yahoo.fr en nous indiquant votre âge, votre poids, votre taille et votre objectif, s'il vous plaît. Merci, Madame Chantal Amboulé. Anne Mirabel, pouvez-vous faire une promotion pour nous encourager à faire un suivi? Bon, alors Anne, quel type de promotion, par exemple? Promotion sur les produits ou promotion sur les services? Essaye un peu de m'éclaircir. Ok, alors Laetitia Paul, quelle disposition prends-tu pour la Côte d'Ivoire? Oui, oui, Laetitia, ça me fait mal au cœur. Alors tout récemment, nous étions en communication avec une cardiologue qui est du côté de la Côte d'Ivoire et elle était sur le point de prendre, de devenir notre représentante. De toutes les façons, c'est toujours en projet, mais sauf que, on a emballé son colis. Sa commande, mais arrivé à la DHL, c'est ce jour-là qu'ils ont décidé de fermer les frontières. Donc, ça fait qu'elle n'a pas été en mesure de recevoir son colis et on est obligé d'attendre à nouveau que les frontières ouvrent avant que nous relancions encore le projet de collaboration. Donc, s'il vous plaît, vous êtes très nombreux du côté de la Côte d'Ivoire. Vraiment, vous êtes, il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Bénin aussi un peu. Vous êtes très nombreux de ce côté-là, s'il vous plaît. C'est indépendamment de notre volonté, d'accord? Donc voilà, on croise les doigts et puis on fait preuve de patience en attendant que les frontières ouvrent et là vous allez être servi. Mais sauf que si nous avons une représentante sur place, nous allons vous orienter vers la représentante en question, d'accord? Donc c'est aussi la raison pour laquelle vous avez été nombreux à nous demander quelles sont les conditions pour devenir représentant. Il faut simplement être du domaine de la santé. Donc vous êtes pharmacien, vous êtes médecin, vous êtes nutritionniste ou alors vous êtes nutritionniste ou alors diététicien, voilà les personnes qui sont appelées à pouvoir recommander nos produits. Parce que nous estimons que cela touche à la santé, cela touche au bien-être des personnes. Donc, il faut pouvoir avoir en face des personnes qui pourront expliquer correctement les produits et les personnes qui pourront apporter un minimum de suivi en cas de difficulté ou de problème. Donc, c'est pour ça que la condition sine qua non, c'est de déjà être pharmacien, médecin,
infirmière aussi, nutritionniste ou alors diététicienne. Donc voilà, voilà la première condition fondamentale. Après maintenant, voilà, on va trouver le moyen de tenir compte de votre budget et on va commencer tout doucement, d'accord? Parce que nous aussi, on a commencé tout doucement. Donc voilà, je ne vais pas mettre une exigence de 100 kits ou de 200 kits. Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que vous croyez au produit? Le plus important, est-ce que vous faites confiance à Josica? Le plus important, est-ce que vous, sachez que, est-ce que ce qui nous anime vous anime également? Parce que pour moi, le but n'est pas seulement de vendre. Le but est de pouvoir être sûr et certain de ce que l'on propose. Le but est de pouvoir être soi-même converti. Vous voyez? Parce que si par exemple vous ne prenez pas de thé ou alors vous n'aimez pas le thé, je trouve que ce sera difficile pour vous d'écouler les produits. Parce que si, comment réussir à vendre ce que vous n'aimez pas? Vous voyez? Donc il faut un minimum de cohérence de bout en bout. Donc voilà. oui, Louise Osasun. Alors, on commence. Marché Mokolo. Déballage du kit détox. Déballage, emballé, déballage, emballé, déballage, emballé, déballage, emballé, déballage, emballé. Partagez le live, les amis. Partagez le live. Partagez le live, les amis. On va rendre comme marché Mokolo. Et je vous dis quelque chose. J'ai vendu la fibrerie quand j'étais plus jeune. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai vendu la fibrerie quand j'étais plus jeune parce que ma mère était, bon, elle est encore, mais pas tout le temps. Ma mère était Bayam Selam au marché Mokolo. Et ma mère avait un système. Ma mère, ce qu'elle faisait, c'est que quand moi, par exemple, je lui demandais, ou alors quand mes frères et moi, on lui demandait de l'argent, elle dit, ok, bonjour, comme tu veux 5 000, dimanche, tu viens à Mokolo, puisque dimanche, c'était le jour où on ne partait pas à l'école. Elle dit, ok, dimanche, vous venez au marché. Ce que vous vendez, vous restez avec. Vous voyez un peu la logique. Donc, elle dit, on vient au marché, on vend. Même si on vend 10 000 ou 30 000, on empoche. Mais il faut d'abord que nous venons nous-mêmes vendre. Et je détestais ça. Et ça fait que je suis partie au marché une fois, deux fois. Je n'arrivais pas à vendre. Et je me suis découragée. J'ai dit, ok, ça va, il faut rester avec ton argent. Donc, ça fait que ce sont plus mes frères qui ont beaucoup accompagné maman lorsqu'il fallait vendre la fibrerie au marché Mokolo. Alors, déballer. Bon, pour ceux qui ont été à Mokolo ou en Kololoum, quelles sont les phrases qu'ils utilisent souvent? On va vendre comme eux. Ils ont souvent une phrase qu'ils utilisent là. Entrez sans enlever les chaussures. Entrez sans enlever les chaussures. Madame, je vous sais quoi. Je vous sais quoi, les amis. Je vous sais quoi. Le kit détox. Je vous sais quoi. Le thermos. Je vous sais quoi? Les ouvrages? Quel ouvrage, madame? 2 euros. 2 euros. Je vous sais quoi, madame? 2 euros. Liquidation, 2 euros. Ventre plat? Écrivez en commentaire. Passez vos commandes en direct, les amis. Vous êtes comment? Écrivez en commentaire. Voilà, Carole, voilà, Carole Bala, Asso. Oui, Asso, tu veux quoi? Asso, tu veux quoi? Tu veux le kit détox? Ça casse le ventre très mal. La main, il faut se limer avec le kit détox. Venez me tromper. Nadine Béal, je vends, je paie. En vrai que je vends, je paie. Parce que même quand je vends le kit détox, j'ai à peine 2 euros de bénéfice. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai à peine 2 euros de bénéfice parce que je me dis, si je vends plus cher, ça va être difficile pour tout le monde d'en avoir. Donc j'ai à peine 2 euros parce qu'on paye le carton pour emballer. On paye. Mais ce n'est pas ça le plus important. Venez me tromper. Oui, Patricia Minkam, déballer, c'est déballer. Bon, passez aussi les commandes en même temps, non? Et quelquefois, quand je partais au marché Mokolo, au lieu de vendre, moi j'étais là, je regardais et j'observais. Je trouvais que les commerçants là étaient tellement ingénieux parce qu'ils ont une intelligence pas possible. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand tu es à distance, ils montrent comme ça. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500,
Dès que tu viens, tu dis ok, c'est ça que je veux. Il te dit 6500. Il te dit c'est 6500. Tu dis que merde. Il te dit c'est 6500. Tu as combien? C'est 6500. Tu as combien? Et maintenant, si tu veux discuter, il va t'insulter très mal. Si tu veux discuter, tu dis que mais tu as dit que c'est 500. Il dit que va là-bas. Tu payes quoi? Tu payes quoi? 500, c'est ce que tu veux cramer. C'est comme ça qu'ils font souvent, n'est-ce pas? Alors, moi, je ne sais pas pour vous. Voilà, pour vous, par exemple, qui êtes dans les autres pays tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, voilà, comment se passe le marché à la sommette à votre niveau? Comment ça se passe en général? Quelles sont les phrases typiques des commerçants? Quelles sont les phrases typiques? Quelles sont... Voilà, racontez-moi. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir. Bon, alors, on reprend. Déballe, emballe. 5 euros. Je vais faire comme eux. 5 euros. Quand vous venez inbox, je vais vous dire, c'est 35 euros. 5 euros. Qui est en 5 euros. 2 euros. Malasma que, je mange, je paie. Attendez. Louis osa sur le quai de Tosse pour aller voir le vrai père de l'enfant. 2 euros. Je vends, je paie. 2 euros. Madame, c'est 2 euros. 2 euros. 2 euros. Espérante Estienne Bacola, le quai de Tosse, c'est 35 euros. Tu as suivi le prix, Espérante. Espérant d'Esther, le prix c'est 35 euros. Bon, 5 euros. Ben le prix c'est 35 euros. Partagez le live. Ils doivent payer. Partagez le live. D'accord? Parce que je sais que. Merci Laetitia. Venez prendre, je ne connais pas. Laetitia Paul, venez prendre, je ne connais pas l'argent, c'est cadeau, ok. Venez prendre, je ne connais pas l'argent, c'est cadeau. Venez me tromper. Venez prendre, c'est cadeau. Partagez le live, les amis. Partagez le live. Tout le stock, il doit partir aujourd'hui, regardez. Partagez le live. Je ne connais pas l'argent. Cadeau, c'est cadeau. Je lance déjà. Il se fait tâche de rentrer. Dernier marché. Dites-moi si je suis convaincante ou pas. Si je ne suis pas convaincante, dites-moi ce que je dois corriger. Est-ce que je corrige le temps? Est-ce que je corrige la posture? Dites-moi ce que je dois corriger. Bonsoir Pélagie, bonsoir Virginie. Elsa Elise Ndoum, pour le kit détox, vous écrivez au numéro de téléphone qu'on a mis en commentaire. Et puis maintenant, vous passez la commande. Maman Rose, nous livrons au Canada. Donc, comme on vous l'a dit la dernière fois, comme on vous l'a expliqué la dernière fois, voici les frais d'envoi DHL par pays. Donc, l'envoi DHL pour les États-Unis, c'est 54 euros. Regardez vous-même, c'est mentionné là. 53,99 euros, ça ce sont les frais d'envoi pour les États-Unis et c'est l'unique option d'envoi possible avec tracking number. Donc si vous voulez commander le kit de torse à partir des États-Unis, 2 kits de torse c'est 70 euros plus 54 euros, ça fait 124 euros que vous devez virer dans le compte. Donc envoi USA 54 euros. Maintenant, du côté du Canada, l'envoi c'est 39 euros. Donc, Maman Rose, pour l'expédition au Canada, vous ajoutez 39 euros au frais du kit. Donc, ça fait 70 euros pour 2 kits plus 39 euros. Ça nous fait 109 euros par là. D'accord? 109 euros, 39 euros pour le Canada maintenant. La France, l'Italie, l'Irlande, l'Angleterre, c'est 18 euros. Ça, vous le savez déjà. Voilà, Irlande, 18 euros. Donc voilà les quelques spécifications. Voilà. Oui, Nat, réponds aux questions. Quelle question, Nat? Quelle question? Posez vos questions. Je suis là pour répondre. C'est juste que ça défile beaucoup et voilà, je n'arrive pas à voir de façon ponctuelle. Quelle est votre question?
Quelle est votre question, Nat? Nadine Beyalé, dans quelle ville résidez-vous? Aïssata, oui. Vous avez sûrement l'ancien numéro. On a informé que l'ancien numéro a été bloqué. Donc le nouveau numéro est dans la description du live ou alors en commentaire. Peut-être qu'il faut que je le redonne encore. Voilà, donc vous nous écrivez sur WhatsApp. Plus 49 15 21 85 73 812. D'accord? Nadine Beyalé, dans quelle ville résidez-vous? Où voulez-vous recevoir votre kit détox? Bonsoir, Honorine Amoussou. Oui, Laurentine, c'est le lancement. C'est le lancement. C'est le lancement. On va bientôt fermer le marché. Donc, on est en train de liquider. Laetitia Paul, tout est bon, tu vends la santé, donc on attend juste l'ouverture. Ok, merci, merci. Ok, bon, je vais retaper le numéro de téléphone puisque... Alors, voici le numéro de téléphone en commentaire, plus 49, plus 49, 15, 21, oh là là, 49, j'ai écrit 48, 49, 15, 21... 15, 21, 85. 85, 73, 812. 812. Voilà le numéro de téléphone en commentaire. Donc, vous écrivez, vous passez la commande. Bon, pour le Maroc, oui, grâce à Dieu, pour le Maroc, il y a une cliente du Maroc qui nous a écrit. Mais les frais d'envoi pour le Maroc sont trop élevés. C'est de l'ordre de 65 euros par là. Oui, 65 euros pour 0 à 2 kg. Sauf si vous le souhaitez, on peut le faire pour le Maroc, mais les frais d'envoi sont à 65 euros par là. Voilà. Donc, et puis également, voilà, je voudrais aussi vous inviter pour vous, tout ce qui est là en ligne, après ce live ou alors pendant ce live, cliquez sur le lien qui est épinglé. Il y a le lien de la chaîne YouTube qui est épinglé. Et pourquoi je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube? Parce qu'on a plein de personnes qui ont pris le temps d'écouter les différentes vidéos, qui ont mis en pratique les différents conseils. Il y en a qui ont perdu 22 kilos. Il y en a qui ont perdu 15 kilos, il y en a qui ont perdu 3 kilos, il y en a qui ont perdu 4 kilos. Donc, je vous encourage vraiment à prendre le temps d'écouter les vidéos. Et pour avoir accès aux vidéos, vous cliquez sur le lien qui est épinglé. Vous allez vous retrouver sur notre chaîne YouTube qui est intitulée Nutrition TV by Nutrition TV 1. Donc, sur la chaîne YouTube, vous allez avoir plus de 95 vidéos qui ne parlent que d'alimentation et essentiellement de l'alimentation africaine. Donc, comment retrouver le ventre plat? Comment perdre le poids? Comment perdre uniquement les bras? Il y a la vidéo sur YouTube qui parle de ça. Comment organiser ses repas quand on fait un jeûne spirituel? Il y a la vidéo qui parle de ça. Comment perdre uniquement le ventre quand j'ai le poids idéal? Quels sont les aliments qui rendent les hommes impuissants? Il y a cette vidéo-là sur YouTube. Je vous encourage. Cliquez sur le lien qui est épinglé. Allez-y sur la chaîne YouTube. Écoutez les différentes vidéos. Prenez par exemple... la résolution d'écouter au moins une ou deux vidéos par jour, voire même trois ou quatre. Je vous assure que vous ne ressortirez pas de là sans information. Et je trouve que c'est également un bon moyen parce que en écoutant les vidéos, vous pouvez décider de mettre sur pied une nouvelle routine tout seul. Et si vous décidez de mettre sur pied une routine tout seul, vous allez être en mesure de tenir bon la routine que vous aurez mise sur pied. D'accord? Je pense que écouter les vidéos aide les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir avoir l'information et de pouvoir effectuer les changements à leur niveau. Oui, Madame Koulibaly, on a expliqué tout à l'heure que les frontières sont encore fermées. Il n'est pas encore possible d'expédier les colis depuis l'Allemagne pour la Côte d'Ivoire. Donc, on est en pourparlers avec une cardiologue sur Abidjan. Et on espère qu'une fois que les frontières seront réouvertes, on va relancer la collaboration avec elle. Et si la collaboration est concluante, c'est voilà, quand vous allez vouloir le kit détox, c'est chez elle que nous allons vous orienter. Donc, un peu de patience. D'accord, les amis? Donc, prenez le temps de vous abonner sur cette page Facebook parce que tous les jours, il y a toujours une nouvelle information qui a trait à l'alimentation. Pour ceux qui sont là depuis quelques semaines, vous vous êtes rendu compte. Donc, prenez sur vous de vous abonner ici. Allez également sur YouTube, vous abonner. Et une fois de plus, je vous encourage, allez vous procurer vos ouvrages. Vous avez ici le guide complet du ventre plat. Vous voyez, regardez vous-même l'épaisseur de l'ouvrage, entièrement illustré et en couleur. D'accord? Donc, dans cet ouvrage, vous allez avoir la liste des aliments à consommer et à éviter. D'accord? Regardez vous-même un ouvrage illustré entièrement en couleur. Qui n'a pas envie de... Qui va s'ennuyer en lisant un tel livre? Regardez vous-même, la typographie est tellement agréable.
entièrement illustré en couleur. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la maison d'édition a été obligée de corriger parce qu'ils nous ont fait une première impression sur du papier qui n'était pas très, 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 très jolie. Donc, maintenant, voici la nouvelle impression sur papier blanc. Impeccable, vraiment impeccable, impeccable. Donc, voilà. Vous voyez toutes les explications illustrées. Donc, commandez vos ouvrages sans plus tarder. Je vous encourage à prendre la collection des trois parce qu'ils finissent par se compléter et se rejoindre. Donc, les trois ouvrages coûtent 60 euros. Les trois ouvrages coûtent 60 euros. Voilà, avec frais d'envoi. Donc, c'est pour ça aussi que si vous voulez prendre uniquement les livres chez nous, prenez avec le kit détox. Parce que quand vous prenez deux kits détox avec les ouvrages, les frais d'envoi restent le même. D'accord? Vous prenez deux kits détox avec les ouvrages, les frais d'envoi restent le même. Donc, moi, je pense que c'est plus intéressant de dépenser 18 euros de frais d'envoi, par exemple, et d'avoir avec soi et les ouvrages et le kit. Et je vous garantis que avec deux kits détox et les ouvrages, vous n'allez pas finir le mois sans avoir de changement véritable. Honnêtement. Parce que ici, vous avez les aliments que vous devez bannir de l'alimentation. Tout est illustré. Donc, quand on parle de l'aliment, vous voyez de quoi est-ce qu'il est question. Vous voyez? La lecture est agréable. Typographie en grand caractère parce que, voilà, je n'ai pas voulu le faire volumineux pour éviter le blabla. Je pars directement droit au but. Donc, quel est l'aliment? Quelle est la composition? Pourquoi est-ce que c'est bon? Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Et je vous développe tout ça dans les moindres détails. Illustré et en couleur. Et là, vous avez les 9 aliments tropicaux que vous devez intégrer dans votre alimentation. Donc, là aussi, c'est le même principe de fonctionnement. On a maximisé la qualité, vous voyez. Donc, ce n'est pas juste un brouillon comme ça à la va-vite. Et c'est pour ça que le prix est également conséquent. Donc, je vous en prie, commandez vos ouvrages. 60 euros la collection des trois. 60 euros la collection des trois ouvrages. Et voilà, c'est le ticket gagnant pour avoir le ventre plat et pour éliminer quelques kilos superflus en plus du kit détox. Bon, alors. Donc, voilà, c'était vraiment ça l'essentiel. Je tenais vraiment à... Attendez. Voilà, je tenais vraiment à vous préciser qu'on est à nouveau joignable. Donc, si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le kit détox, c'est sur le numéro. Mais pour le suivi exclusivement, vous nous écrivez via email nutritiontv@yahoo.com. Et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Donc, alors, on fait un dernier tour de liquidage. Volalo! Volalo! Madame, je vous sais combien de kits détox. Madame Chantal Amboulé, je vous sais combien de kits détox. Madame Rama Moukta, je vous sais combien de kits détox. Avec les ouvrages ou sans la mer. Avec les ouvrages et vous voyez, les sauveteurs sont souvent très forts. Ils ont souvent le mot la mer très facile à la bouche. Tu es une jeune fille de 15 ans. Le sauveteur te dépasse au moins de 10 ans, 20 ans, mais il va t'appeler la mère. Qu'est-ce que je vous sais, madame? On vous sait quoi, madame? On vous sait quoi, madame? On vous sait quoi, madame? Ok, donc c'était vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu présent à l'appel. Donc, si vous avez des questions ou des thématiques sur lesquelles vous souhaiterez nous voir développer, écrivez-nous cela. Écrivez-nous cela en message privé ou alors par email. Et on se dit rendez-vous dimanche, s'il plaît à Dieu. Voilà, pour une thématique vraiment particulière qui aura trait à l'alimentation. Merci beaucoup les amis pour votre présence. Merci de cliquer sur le lien épinglé. Allez-y sur la chaîne YouTube Nutrition TV 1. Vous vous abonnez, vous écoutez les vidéos et surtout vous mettez en pratique les différents conseils reçus. Je vous garantis que en une semaine où vous mettrez en pratique les conseils, vous allez avoir du résultat. J'ai tellement de témoignages. C'est juste que je suis tellement débordée que je n'ai plus assez de temps. Donc, Aline Irune, alors au Cameroun, les ouvrages et le kit détox seront disponibles à la fin du mois de juin. D'accord? Donc, un peu de patience. Sauf si vous voulez commander directement, il faudra prévoir les frais d'envoi. D'accord? Donc, si vous désirez que l'on vous l'envoie via DHL, écrivez-nous sur le numéro de téléphone. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonne soirée à vous. Et voilà, que la santé et le bien-être vous accompagnent toujours. Au revoir.